Mate, les gars, on est même là comme ça. Vous êtes même au courant du nouveau dossier de ce matin. Normalement, je devais parler du dossier si en dansant partout, en criant partout. Mais le malheur qui nous a frappé là m'empêche de rire même. Mais, gars, si vous êtes au courant que John Anna Siringan, John est le nouveau champion au monde actuellement où je vous parle là. Le gars Anna Siringan en 2 minutes. 2 minutes. Hey, bébé là. 2 minutes, Joe. 2 minutes. Donc, tu peux faire quoi dans une confusion? On te met au sol, on te nappe, on t'appuie le cou, on t'étrangle. En 2 minutes. 2 minutes, oh, c'est combien de secondes, papa? Mais ce qui énerve même dans tout ça, c'est que tu viens donner la honte au Cameroun. Parce que c'est notre beau qui est ton entraîneur. Lopez, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est Lopez qui est ton entraîneur, si je ne me trompe pas. Et tu viens donner la honte à notre soeur comme ça. Nous on misait sur toi, puisque notre champion Ngannou avait vu le mal là de loin. Il faut aussi respecter Ngannou là. Parce que le Joe là, c'est maintenant que je comprends que, hey, Joe c'est à l'œil. Le gars préfère lui garder son titre de champion. Enfin, s'il partait à cette compétition, si c'est vrai que s'il partait, peut-être le ridicule de Céline Gann ne pouvait pas arriver chez lui. Mais on ne sait pas aussi, hein. Il pouvait aussi perdre. Mais le gars lui préférait le sortir par la grande porte. Je ne veux pas l'humiliation. Mais comme Céline Gann, il est toujours là, il saute comme la grenouille. Je vais vous montrer que je vais porter le titre de champion. 2 minutes. Ah, babalé. Là, je comprends pourquoi même Céline Gannou t'avait tapé même avec le pied cassé. Tu es nul. Tu es lors de 1. Tu es lors de 1, mon frère. Un combat comme ça, tu te tapes KO, on t'étrangle 2 minutes. Yo. Tu partais où? Mais le titre de John, ou c'est John Jones, ou c'est John Jones, ou c'est John. Mais quand même, toi là. Champion du monde en. Quelqu'un s'apprête. Combien de cohorts? Quelqu'un met ce genre. On te rappelle comme ça, là, le combat. Il y a l'un des combats d'Ngannou. Il a bossé comme ça. Les gens payent encore même les billets d'entrée. On annonce que le combat est fini. Mon frère, les gens ne peuvent pas dépenser leur argent comme ça pour venir vivre le spectacle. Vous empêchez le spectacle aux gens, John. Quelques petits jeux, on annonce la fin. On annonce la fin, mon frère. Alors, Céline Gagné, il ne faut plus donner les points aux gens gratuits comme ça, dis donc. Mais on a quand même le combat avec Francis Ngannou, on a quand même vu le choc, on a quand même vu que tu t'es battu avant que le champion t'a dit à la dernière minute que il n'y a pas deux rois en forêt, il n'y a pas deux lions. Quand on parle du lion, le lion reste le lion. Mais ici, on t'attendait. Moi, je m'attendais que. Parce que tu avais dit que c'était une erreur. Ou tu avais encore invité Ngannou que non. Reviens, je te montre que. Non, j'ai vu se faire une erreur. J'attendais que tu corriges ton erreur là, ici. Donc, ce n'est que sur Ngannou que tu voulais corriger ton erreur. C'est ici que j'attendais que tu corriges ton erreur. J'attendais voir un combat. Mais un combat du ciel. Un combat du siècle, mon frère. Un combat du siècle. Mais à peine 2 minutes, quelques secondes, papa, poum, Cory. On fait le genre de bagarre ici là au village, on appelle ça la clé 14. Donc on se tapait ça comme ça là. Et comme tu sais bien que tu es nul au sol, par exemple, c'est toujours au sol qu'on te tape. Puisque presque tous tes combats que tu as gagnés, c'est en l'air, en l'air. Même tes chaos, c'est en l'air, en l'air. Dès qu'on t'a mis au sol, c'était bon. Même quand on t'avait Nakou, au sol. Donc John, lui, là, il savait que ta faiblesse, c'était au sol. Il sait que dès qu'il te met au sol, il a fini avec toi. Donc, il fallait tout faire pour éviter de tomber. Il fallait éviter de tomber, mon frère. Bah. Gars, laisse l'affaire là, ce n'est pas ton affaire. Pense à faire même la boxe comme Ngannou veut faire là, ou bien pense à faire autre chose. Hein? Ouais, maman Charlotte, Asia, hein? Asia. Normalement, tu devais être en train de boire les grands vins maintenant là pour la victoire, mais bon.
Et j'ai failli oublier. Pour ceux-là qui veulent installer les lampes solaires, les panneaux solaires chez eux, parce qu'il y a trop de coupures maintenant et nous, on nous fatigue. Donc pour ceux-là qui ont un peu leurs moyens, qui veulent. Enseda est une nouvelle société spécialisée dans l'énergie renouvelable. Initiée par un jeune entrepreneur sorti de l'école polytechnique de Maroua. Promotion 2012. Donc, tous ceux-là qui sont dans le besoin d'installer les panneaux et des plaques solaires dans leurs entreprises ainsi que dans leurs domiciles, contactez la société Enseda. Enseda assure également le bon fonctionnement et l'entretien pour ceux qui ont déjà installé ces panneaux chez eux. Ce jeune entrepreneur a également besoin de votre soutien financier parce qu'il a un projet de fabrication de panneaux et lampes solaires made in Cameroun. Ah bon? Oui. La société Enseda est située à Yaoundé, quartier Ekié, immeuble Melo. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations et plus de détails. Moi, je me nomme Ulrich Sten Lomovassa, entrepreneur, ingénieur, polytechnicien en énergie renouvelable. Actuellement, je suis face à vous parce que j'ai besoin du capital pour lancer mon projet. Un projet qui va permettre à la population de gagner en termes d'électricité parce que nous sommes dans un déficit qui plonge le pays dans le noir actuellement. Ok, abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.